Il laisse Justin Martyr tailler. Justin fait en Palestine et vit entre l 100 et l'an 167 de l'ère chrétienne. Monsieur était passé première année dans la ville quand il t'a plongé dans la philosophie. Quoique il était un philosophe professionnel versé dans le platonisme, monsieur était très impressionné par le courage que chrétien a été démontré en face de la mort. Et c'est ainsi que M. Tapral convertit lui-même dans le christianisme en l'an 130 sous l'influence de Bonzamil qui c'est un philosophe même j'ai l'ensemble avec lui. Vérité qui exprimait dans le christianisme man, particulièrement pour ça qui concerne les prophéties qui déjoignent l'accomplissement c'est un bagaille qui était particulièrement attiré Justin. Et c'est ainsi que, que Justin était vraiment mouv et que M. Tapral... confesser que lui-même n'est pas que notre Seigneur autre que Jésus Christ et sa table arrivé qu'on y a fidélité monsieur conviction chrétienne ni a fait que il a décapité tout à Rome et c'est ainsi que monsieur Tapral porter non ça Justin martyr Justin Tapral écrit tout deux traités apologétiques... qu'il a adressé à l'empereur Romeo à savoir Antoninus Pius et Marcus Aurelius. Et notre éditeur, Justin, a essayé montre de montrer l'injustice qui gagne dans la persécution des chrétiens. Monsieur, défend cause que les chrétiens ne sont pas supposé accuser d'athéisme parce qu'ils ne pas pas adoré la divinité romaine. Ce n'est pas parce que ça, ça pas fait pas de eux des athées pour ça. Tout simplement, ils refusé d'adorer les dieux païens, ils refusent d'adorer un pour comme des divinités parce que vous même y a adoré le seul vrai dieu le créateur de toutes choses le dieu invisible et que c'est des yo qui à la base ou bien qui c'est sous haine que vous même gagné contre les chrétiens maintenant pour ça qui concerne les traces vérités que vous êtes capable de découvrir dans la philosophie païenne je dit que c'est soit que vous empruntez bagaye sa yo dan les ekritur ebraik, anfen nan, nan bibe bou ea, ou bien se de bagaye ki tout simplement du a yon influence du kris pre-inkarne, le logos ke ms. Rele la puissance rationel ki guide l'univers. Et donc, l'iti kapab illumine nipot ki es kil vle. Et donc, nan sa sa, sa kapab explike trase de verite ke ou jwen nan filosofi payen. Au final, Pour faire dans la il prophétisé avec un pile détail la venue de Jésus-Christ, qui lui-même est après lui une figure centrale dans toute l'histoire de l'humanité. Et donc, mes influences, justement, ont si été gagnées, particulièrement dans le domaine de l'apologétique.